Un bon ami à moi est venu en me disant « Mon mariage n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Il faut que je change quelque chose. Je te vois toi et ta femme. Je vois le temps que tu passes avec ta femme, avec tes enfants, et je veux la même chose. » Tu achètes des roses à ta femme régulièrement, tu l'emmènes tout le temps au restaurant, tu la supportes, tu l'encourages. Eric, qu'est-ce que je peux faire ? Je lui ai donc conseillé de faire exactement ce que je fais, et Dieu m'en est témoin, il l'a fait. Puis il est venu me dire, « Hey, ça ne marche pas. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit, alors pourquoi ça ne marche pas ?» J'ai dit, « Tu sais pourquoi ça ne marche pas ? À cause de tes valeurs. Tu as dit que tu voulais que ton mariage soit meilleur. Je te dis de repasser les vêtements de ta femme. Et toi tu me dis, « Oui, je le fais, je repasse ses vêtements, je cuisine et tout. Mais quand je fais ça, j'ai l'impression d'être un pigeon. » Et je lui ai dit, « Voilà pourquoi c'est difficile pour toi, car selon tes valeurs, un homme n'est pas censé faire à manger. Un homme n'est pas censé faire la vaisselle ou repasser. C'est ce que tes valeurs disent. Donc, tu es en train de faire des choses qui vont à l'encontre de tes principes. La raison pour laquelle il est facile pour moi de cuisiner et faire la vaisselle... Tu veux savoir pourquoi ? C'est rien de plus important pour moi que le mariage. Et je veux être heureux. Traite-moi de pigeon si tu veux. Laisse-moi être un pigeon. Je veux être un pigeon. Un pigeon heureux. Pour de vrai, un ami est venu chez moi et j'étais en train de passer la serpillière. J'étais même par terre et je frottais le sol et il m'a dit « Eric, tu es par terre et tu frottes le sol comme ça ? Ta femme te dresse, gars. » J'ai dit « Ah, tu ne le savais pas ?» Tu viens de le découvrir. Je fais un travail terrible. Oui, je suis dressé. Et après 23 ans, vous devriez l'être. Si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y a un problème. Certains d'entre vous disent « Je veux être millionnaire. Je veux être le meilleur de cette entreprise. » Mais ton système de valeur dit que tu préfères dormir plutôt que de te lever. Ton système de valeur dit que tu es un consommateur et non un producteur. Tu dépenses plus d'argent que tu n'en gagnes. Pourquoi ? Parce que tu es consommateur, tu lis plein de livres, tu répètes tout ce que les livres t'ont appris. Mais ces livres ne sont pas en adéquation avec tes valeurs. Et si tu veux atteindre les mêmes niveaux, tes valeurs doivent changer.